Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Là aujourd'hui, je fais une vidéo très spéciale. Je vais parler de deux opérateurs téléphoniques. Dans un des opérateurs téléphoniques, Bouygues Télécom va se faire acheter. Donc celui-ci, qui est à ma droite. Voilà. Et celui de ma gauche, qui risque aussi de l'acheter. Bon, bref, je ne vais pas parler de l'achat de Bouygues Télécom. Je vais parler tout simplement des forfaits que Bouygues est en train de faire disparaître et donner un avantage aux clients moins cher. Donc voilà. Et Orange qui donne aussi des produits intéressants, sauf leurs forfaits. Leurs forfaits sont quand même vraiment à désirer. De temps en temps, je parle des forfaits, je ne parle pas du forfait chauve. D'accord? Je précise bien que le forfait chaud n'a rien à voir là-dedans. Bon. Alors, je vais commencer par l'opérateur Orange. Donc, il donne des offres alléchantes. Mais quand vous regardez bien, là, on va parler. Premier truc, c'est la fibre. Alors, il propose forfait fibre, blablabla. Donc, vous voyez, 100%, nanana. Vous voyez? D'accord, donc ils font une offre, comme tous les opérateurs téléphoniques. D'accord, bon, ils font cette offre-là. Dans le secteur de Mantes-la-Jolie, la fibre optique, elle n'est même pas partout. Elle n'est même pas dans tout Mantes. Pour l'instant, on n'est qu'à 20% de Mantes-la-Jolie. On n'est même pas à 50% encore sur Mantes. Donc la fibre optique, elle est alléchante, oui. Mais si on n'est pas à la fibre optique, ben on n'est pas obligé de passer à l'ADSL. Par exemple, où j'habite, on est obligé de passer en ADSL. On ne peut pas. Partout, on n'est pas loin. On n'est pas loin d'une résidence qui a la fibre optique. Nous, on est juste à côté, mais on n'a pas accès à la fibre optique. Bon, soi-disant qu'il y a des travaux, pas en revanche, mais bon. Je vais commencer, je vais tourner. Voilà. Il vous offre des forfaits intéressants, des téléphones qui sont à 1 euro. Certains téléphones à 1 euro, téléphone, voilà. Donc voilà, téléphone à 1 euro, etc. Voilà. Avec un forfait, on sait combien. Et après, on tourne. Après, ça dépend. Mais leurs forfaits sont à désirer. Pourquoi? Parce que pour un téléphone à 1 euro, vous êtes obligé d'acheter un forfait de 45 euros. Donc vraiment plus cher que ce qu'on vous propose. Qui veut dire un forfait à. On ne peut pas vous proposer un forfait par exemple à 25 euros pour 1 euro. Chez Orange, ça n'existe pas. Chez Orange, ça n'existe pas. Sauf chez des tout opérateurs qui font ce genre d'offres. Mais ce n'est pas Orange direct. C'est un contrat avec Orange. Mais bref, on ne parle pas de la. Comment dire? On parle pas du magasin Orange lui-même. Le magasin Orange lui-même ne le fait pas cette offre comme ça. Donc le forfait un peu plus cher, et ben vous l'avez le téléphone à 1 euro. Bien sûr, on vous propose des téléphones intéressants comme le Galaxy S7, je pense, je ne suis pas très sûr. Voilà. Galaxy S7. Edge. Ok. Pour 1 euro. Pour un forfait intéressant. Donc bref, il faut bien lire les instructions parce qu'il faut tout lire. Il faut lire quand vous allez signer le contrat avec Orange, il faut bien lire les instructions, tout ça. Sinon, vous allez vous faire, comment dire, bien plumer. Même si c'est un très bon opérateur à comparer d'autres opérateurs. Bon bref, quand on parle à d'autres opérateurs, je sais de quel je parle, mais si vous voulez, je peux donner même son nom, c'est SFR. Donc, la SFR n'est pas un très très bon opérateur dans la région.
région, en plus. Et en plus, on entend parler beaucoup de mal de chez eux. Donc, vous voyez, on vous propose des bons téléphones à des prix attractifs, mais le forfait lui-même, non. Voilà, je vous fais montrer quand même. Il y a même le galet. Le Sony Xperia, le Sony Xperia X, etc., qui font des bonnes propositions. Bon, bien sûr, à 1 euro, mais avec un forfait incroyable, hein. Donc voilà, je vous fais montrer un peu les forfaits et les téléphones. Surtout les forfaits, bah, le forfait, il faut le lire. Donc vous voyez, là, il faut lire ça, tout le texte. Donc il faut bien lire et lire, lire. Et après, à partir de là, bah, c'est là que vous allez comprendre que moi j'ai beaucoup plus cher. Voilà. Bien sûr, il vous propose des montres connectées. Plus ces petites caméras. Bon, ça, c'est bon, bref. Hein, voilà. Donc ça, c'est les offres de Orangina, comme je dirais en rigolant. Les offres d'Orange. Vous voyez? Pour toujours avoir un téléphone à 1 euro. Bon. Alors, chez Bouygues Télécom, voilà, Bouygues Télécom propose le même type de téléphone. Voilà. Galaxy S7 pour 1 euro. Mais là, on vous propose tout simplement avec la B-Box, la mini B-Box de chez Bouygues, qui vous dit vous l'offre 1 euro le téléphone. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un peu plus avantageux que chez Orangina. Donc, que chez Orange. Là, on vous offre le téléphone à 79 euros. Des propositions, mais leurs forfaits sont plus attractifs car Bouygues, vous savez très bien que Bouygues est en train de se vendre en train de se vendre pour essayer de passer de se vendre exactement à Free comme Orange. Alors donc, on n'a pas encore les sources officielles, on attend que tout le monde est au courant. Mais bon. Là, vous voyez, tout propose, mais avec leur nouveau forfait là de chez Bouygues, qui sont vraiment instructifs, vous pouvez avoir un forfait à 19,99 € pour un mobile, tout simplement. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui est chez Bouygues. Et surtout, voilà, vous voyez, beaucoup de téléphones à 1 euro, beaucoup de téléphones un peu chers aussi. Donc voilà, il y en a d'autres c'est 1 euro, il y en a d'autres qui sont à temps, 79, mais bon. Et là, on précise bien que le téléphone, il est. Certains téléphones sont un peu chers, mais bon. Le forfait lui-même, il est attractif, c'est tout, tout simplement. Mais avec des forfaits d'un euro, des téléphones à 1 euro aussi, mais bon. Le problème, c'est que. Voilà. Et ça, toujours. Tout le monde propose. Note 7, voilà. Tout le monde propose les mêmes choses pour des forfaits un peu plus chers et l'autre fait moins cher avec les mêmes appareils. Voilà ce que je peux dire, mais le problème, je ne suis ni Bouygues, je ne suis pas chez Bouygues, je suis chez Orange en mobile, mais je risque d'aller chez Free. Voilà. Et ben voilà, tout simplement. C'est à vous maintenant de juger qu'est-ce que vous en pensez des deux opérateurs. Et surtout pas de critiques stupides à dire n'importe quoi derrière. Je vous remercie. Bye bye, à la prochaine vidéo.